Allez, c'est parti pour la game numéro 2 entre Intag et Kingsman. La première game a été remportée facilement, tranquillement, sans accroc de la part de Intag, une bonne phase de ligne. Et surtout ensuite, on a déroulé autour d'une Death Prophet, d'un Razor, d'un Omni, de la massivité, face à laquelle les Kingsman n'avaient pas vraiment de répondre. Ils n'ont pas démérité, les petits Kingsman. Mais il va falloir montrer plus, ou montrer peut-être quelque chose de différent sur la game numéro 2. Nous sommes dans la première phase de ban. Si vous n'avez pas suivi les récents changements sur Dota, la phase de pick et de ban maintenant est légèrement différente. On commence avec 4 bans pour chaque équipe. Ensuite, c'est comme avant. Sauf que bah, du coup, la phase de ban numéro 2 et numéro 3 ne comporte plus qu'un seul ban. Donc la première phase de ban est à la fois très intéressante et très importante, mais aussi complètement inutile, puisqu'il n'y a plus ce côté adaptation, on va dire, de votre phase de ban. On s'attend du coup à des bans assez similaires à ce qu'on avait vu tout à l'heure, même si la Death Prophet, tu nous en parlais, pourrait faire son apparition. Ouais, pour l'instant, il y avait Lican qui a été le chêne qui avait été ban très tôt par un tag qui ont pas été enlevés. Ils ont mis le Nature's Prophet dans leur phase de ban. Ouais, Nature's Prophet qui n'était pas du tout présent dans la première game. 10 seconds remaining. Moi, le pire dans ce changement là, c'est pas le quatrième ban de la première phase qui me dérange, c'est le deuxième ban de la deuxième phase qui me manque. Bah oui, non, mais je suis tout à fait ouais. D'accord. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'aime pas trop ces changements, mais bon, il va falloir s'y faire. On est parti pour peut-être une saison compétitive avec ce nouveau changement. Donc, voir ce qu'on peut faire autour. A priori, ça semble retirer des opportunités, mais ça peut peut-être aussi en créer en allant, je sais pas moi, retirer 4 héros qui contre. Le seul héros que t'as envie de jouer, et bam, tu le first pick. Allez, Lican refait son apparition, et du coup sur Shen, Oracle et Beastmaster de la première game, qui sont encore disponibles, avec plus que 2 bans de près, donc un des 3 sera là, on va voir si une des équipes décide de le prendre. Évidemment, la DD est toujours là. Non, ils enlèvent le Slark, alors qu'il a enlevé en seconde en deuxième phase de ban, la game d'avant, là, ils l'enlèvent tout de suite, donc pas de ban Omni et pas de ban DP. Intéressant. On va voir du coup si ils l'ont retiré pour une raison, c'est-à-dire qu'ils ont un offlaner, peut-être un Underlord qu'ils ont envie de prendre assez tôt dans le draft. Ils avaient joué un Underlord sur Apoc dans l'une des games de la semaine dernière, donc oui, ça peut être ça. Après, ils avaient pris Underlord dans le dernier pick. Moi j'adore Underlord dans ce patch, le gros problème c'est qu'il a 4-5 carrés qui le contre en ligne. Et Razor c'est insupportable, Monkey King c'est insupportable, Sark, ça fait déjà 4. Allez, on va voir directement avec le Beastmaster. Lui c'est un des absents de cette phase de ban comparé à la première game, donc la Légion tient fait son apparition dans la phase de ban. Intéressant, ils ont pas hésité une seule seconde hein, Kingsman, en voyant que le Beastmaster était passé. On va voir si les deux équipes jouent chaîne. On sait que c'est un héros quand même très fort mais aussi très particulier, il faut le joueur de chaîne. Auparavant, on parlait d'un joueur de chaîne comme un joueur avec énormément de micro. Maintenant, le héros a quand même beaucoup changé. On a moins besoin de micro, mais ça reste quand même. Attends, on a un first pick sniper là ? Ouais. Pourquoi ? J'espère qu'il est P3 ou P4 ce sniper, parce que c'est possible, il est mid. Alors, ouais. Ça, je vais pas te mentir, ça fait un peu. On a pris la confiance. Ouais, c'est bon. On vous a roulé la première, c'est bon. First pick sniper, pas de problème. Un peu penser à Arthesi qui fait Dagon et Terral sur son TV parce qu'il pense rouler les adversaires et il perd la game comme un sac quoi, mais bon voilà. ouais. Bon. Nyx Assassin qui revient, donc un héros très tag apprécié. Ouais. Ouais, très très chiant ce héros, toujours une épine dans le pied, parce qu'il apporte à la fois le fait qu'il y a un mec invisible qui est au scout, et en plus, masse disable et masse contrôle en teamfight. Dire team ban. Dazzle. Oh, intéressant ça. Dazzle qui arrive très tôt, Dazzle qui... a tendance, alors pas tout le temps, hein, mais qui a tendance en ce moment à être joué en position de corps. Ouais. Après, j'aime pas le Dazzle mid, j'aime bien le Dazzle offline, mais avec un BM, je pense. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Après, c'est une très bonne ligne avec le BM parce que t'as le slow des bords qui permettent de faire proc ton poison. Ça peut être potentiellement très fort, t'as double slow. Et puis t'as les bords qui permettent d'avoir des cibles pour les heals pour augmenter les dégâts aussi, donc ça combo très bien. Ouais, il y a pas mal de choses. Ensuite, avec les nécros, donc ça peut être la dual offlane. A voir effectivement où sera joué le sniper. En le voyant first pick comme ça, on a tendance à l'imaginer en offlane. Il faut savoir si on a gagné, mais a nouveau été buff à ce patch. Donc on pourrait voir un build entre guillemets semi-magique avec des shrapnels, avec un Aghanim. Ce Aghanim qui permet d'avoir un stun maintenant sur son ultimate. Un vrai stun, pas un mini stun.
Il y a 20% de packet loss sur le TS là, pour nous toi et moi, donc ça lag un peu. Bon, on fait confiance pour que ça passe. Ouais, on va espérer que ça passe. Effectivement. Alors, tire Underlord de la part de Kingsman, et on retire Death Prophet de la part de Intag. Intéressant. Bon, avec l'ouverture de Kingsman qui était full push, on comprend le ban d'épée, effectivement. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas spécialement envie de la jouer eux non plus. Ouais, puis est-ce que c'est pas un signe que le sniper est mid aussi, parce que je pense que la DP c'est pas mal c'est ce contre le sniper dire, en mid, ouais. Bah est-ce que c'est si bien que ça, ça signe? Oui, parce que tu vas beaucoup plus vite que lui. Tu peux lui mettre des drains dans la face constamment, le sniper il aime pas trop ça quoi. Oh, et puis même la vague ça le fait chier. Le sniper ça aime bien jouer contre des héros qui sait jouer dans leur creep et qui toi tu les pompes, mais là la DP bon elle s'en fiche un peu je pense. Oh, un Timber. Ok, donc il nous annonce à nouveau rien, puisque le héros est actuellement joué à peu près à toutes les positions de corps. On en voit même des carries, carry évidemment avec des guillemets, hein, mais des positions 1. Qui ici pourrait très très bien aller sur une phase de ligne face à un Beastmaster par exemple, puisqu'avec toute son armure il n'aurait rien à craindre des bords. Ou garage du Beastmaster. Ouais, même il s'en fiche un peu. Dès qu'il a le point de gêne, il peut reculer, dès qu'il est poison d'Azol, c'est... Mm-hmm. Il peut très bien jouer sur cette ligne là sans souci. En tout cas, pour l'instant, on a le sentiment qu'un tag prépare des surprises. Côté Kingsman, il faut pas les sous-estimer non plus, parce qu'ils ont une ouverture de draft qui est très intéressante, qui peut aller très vite aussi. Ouais, le Beastmaster, ça... qu'est-ce que quoi ça compte? Après, ça peut... Toutes les strats de push le ban et boost avec son aura. Est-ce qu'il va jouer dans le lit quand il est ban? Donc, qu'est-ce qu'il reste comme push? On peut jouer du Pugna, on peut jouer des choses comme ça, quoi. Ouais. Après, Pugna dans cette game avec le Nyx, c'est un peu mort, je pense. T'as quand même envie d'avoir un truc qui peut atteindre le sniper, je pense. Yep, mais après, faut aller. Le Beastmaster avec une dagger peut être une solution. Mmh. Bah, quand je vois l'ouverture d'un attaque, ça me rend envie de jouer un petit peu. Ça, c'est bien. C'est un héros qui va bien faire la ligne contre Timberso. Au moins, si le Timberso est mine. Sur les Silence, c'est un chouïa plus compliqué, mais tu peux quand même prendre l'avantage. Ça dépendra évidemment de quels sont les deux supports. Après, d'expérience de ce que j'ai joué, mon kicking, ça n'aime pas se faire rentrer dedans quand même. Mais est-ce qu'il va dans quoi se faire rentrer dedans là? Pour l'instant, ça va pas trop, non. Je trouve qu'il est, très, il est bien protégé, tu vois, parce que le BM va pouvoir courir dedans, on aura toute l'armée du BM avec le Dazzle, etc. Donc lui, normalement, il va arriver un peu en second couteau, ce qui est très agréable. Quand même facile à tuer à Monkey King, faut faire attention, ils ont quand même pas mal de dommages là avec le Timber déjà. Et Nyx arrive à le choper. Hein. Alors en tout cas, on voit que les deux équipes, on va dire, jouent un peu à l'aveugle. On a du mal à se répondre pour l'instant, c'est pas trop ce que veut faire l'équipe adverse. Arrivée du PL. Donc on a les trois corps, ça on le sait. Le PL sera carry. Qui est offline entre le Timber et le Sniper, ça on le découvrira. Je pense que le Sniper est P4. Ah, c'est possible aussi. Ça a encore pété. Le micro qu'a subi le voyage de l'Insalan. Je ne t'entends plus, Guillaume. D'accord. Mais mon micro a souffert à l'Insalan. Là, je vous parle dans mon micro qui n'est pas mon micro casque. Je remets le bout de scotch qui permet de faire tenir mon micro. Qui ne sert à rien, qui n'est pas utilisé. Mais disons que si je passe sur la scène de la cam et que vous voyez mon micro qui tombe à 90 degrés, vous allez le foutre de ma gueule et je n'aime pas trop ça. Faut qu'ils aient une réponse APL là, parce qu'ils sont très single target pour l'instant. Kingsman. Ouais, le MK est pas nul. Il peut faire des objets pour contrer un peu le PL. Moi, ce que j'aime bien avec ce PL, c'est que là, il faut contrer le PL et le sniper. Et honnêtement, avec l'ouverture qu'a Kingsman pour l'instant, t'as pas une giga réponse au sniper et t'as pas non plus une réponse au PL. Donc là, t'as deux picks pour contrer deux héros. Good luck, have fun. Qu'est-ce qui est bien contre PL dernièrement? Bon après, ils ont toujours rien contre anti-mage en plus. Ouais, c'est vrai. Ok, Rubik arrive. Donc on se dirige vers un Dazzle P5, un Rubik Beastmaster offlane. Étonnant ce pick Rubik. Ouais, c'est le héros de Shelter, juste du confort. Mais bon, ça donne, c'est ni une réponse à PL. Bon, ça peut être chiant en face de ligne pour le PL, ça.
Jackson Hero qui a pas beaucoup de dommages, donc dès qu'il se fait nuke par le Rubik, bah, il est un peu embêté. Donc en face de ligne, c'est une semi-réponse. Je dirais qu'après, dans le reste de la partie, une fois que le Phantom Lancer est farmé, le Rubik, bon, il c'est de la bouffe. Ouais. Alors après, sur une strat qui va vite de la part de Kingsman, on peut essayer. Parce que le Rubik, maintenant, est un héros qui rentre assez tôt dans la partie, surtout s'il joue en position 4. On peut dire qu'il rentre un peu dans leur timing si ils ont envie de mettre la pression très tôt. Il y a des bons spells à voler dans cette game. Pour apporter des dommages, surtout. Tous les spells du Nyx, c'est bien. Le Timber, bon, il y a quelques spells de dégâts. Et ce qui est super, c'est que, étant donné que le last pick est pour un tag, en fait, Kingsman ne saura jamais si le sniper est mid ou pas avant le dernier pick. Là, ils doivent pick blind. Ils doivent pick comme si le sniper était mid. Ouais, garder le dernier pick pour un P5, c'est quand même. Le Nyx va pas être P5, donc ça sera un P5 si le sniper est mid, c'est bizarre quand même. Ouais, mais regarde, là t'es Kingsman. C'est-à-dire que le sniper est P5 sinon. Bah ouf. Ah, non. Ouais, il a une sabre avec le Nyx. Tu vois, je me disais là tu les forces à prendre un mid Kingsman, un mid qui contre sniper, et ensuite toi tu passes ton sniper à support et bang, tu prends un mid qui bat le mec mid. Les derniers bans font quand même penser à un sniper mid parce qu'ils enlèvent Storm, ouais, ça. Ça fait très penser à un sniper. Allez, côté Kingsman, il manque le héros d'Adrina. À moins que ce soit lui sur mon KQ. Ouais, contre Sniper, c'est pas ouf quand même. Je pense qu'ils l'ont pris pour aller contre Timber, effectivement. Ouais. Ils enlèvent un P5. Et qu'est-ce qu'on prend pour aller jouer Sniper et Phantom Lancer? Je pense qu'ils sont pas si mal que ça contre PL. Ils ont quand même beaucoup de dégâts à eux avec l'armée du BM et le. Qu'est-ce que tu penses d'un DK et tu vas tout droit? Bah tu te fais défoncer s'ils mettent le Timber au mid, ce qui est embêtant. Ah ouais. Dans l'idée, sinon, pourquoi pas. Il y a Zeus qui pourrait faire. Parce que pour moi... Radiant Team Pick. Ouais, c'est des Zolmid. C'est des Zolmid. Ils nous ont pigeons. Je pense pas que ce soit Grimmsrock mid. Ouais, ça explique un peu plus le pick Rubik d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un build Grimstroke mid qui bat Phantom Lancer parce que tu mets ton 1 dans les illusions et tu le défonces? Non, je ne pense pas. Non, c'est bien contre PL pour le silence. Je dis, si vous le chopez, vous le surprenez, il est silence, on peut facilement le tuer là. Mais. Intéressant. Il y a Dazzle mid qui a été bien bien buff dans ce patch, hein, puisque maintenant vous avez les nécros qui sont vraiment pas chers, qui fitent pas beaucoup de gold, qui vous permettent de vous en servir comme d'un moyen de flash farm en fait. Et ensuite, bah, vous allez chercher la massivité. Ça permet d'avoir des griffes toutes les 20 secondes quand vous avez l'ultimaxé, ce qui est un peu stupide. Ce qui en soi est une réponse à Sniper, hein, puisqu'ils auront Mass Sustain avec toutes les auras sur le Beastmaster et les auras sur le Dazzle. Et du coup, le Grimstroke va être là pour buffer la phase de ligne du Monkey King, en lui donnant le bonus de Move Speed et le Stun. Peut-être le silence passe au Timber Saw aussi, Timber qui attaque très très lentement. Beaucoup de mal à retirer le fantôme. Choose your hero. Allez, last pick Mars. Mars mid du coup? Ash. Ash c'était la Winter Wyvern. Ouais bah c'est Sniper P5. Trop marrant. Trop marrant. Et c'est un Mars mid. Et c'est un Mars mid. Mars mid contre Dazzle. Tu prendras les poisons, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Il va prendre le point de son passif assez rapidement, je pense, pour jouer cette ligne. Je pense aussi. Ouais. Et ce qui est intéressant dans le Mars, c'est que ça leur donne une engage qui est brutale, qui est frontale, et la réponse à se faire entrer dedans, tu nous en parlais, de Kingsman, elle est pas évidente. Parce que tu disais, MK aime pas se faire entrer dedans, mais c'est tout pareil pour Dazzle. Dazzle n'aime pas qu'on lui saute dessus. Donc ce Mars est quand même très intéressant, il va créer beaucoup d'espace pour le PL, pour qu'il puisse s'exprimer. Comment va se sortir ce sniper position 5? Ça, c'est évidemment la grande inconnue. Moi, j'ai confiance en lui. Il se les first pick. Il nous a fait une grosse game de Winter Event juste avant. Allez, montre-nous de côté capable. Alors, le P5, actuellement, il a besoin de deux choses. Une, c'est bien wardé, mais ça, c'est après. Et en face de ligne, il faut qu'il fasse des dégâts. Actuellement, c'est ce que je pense. Donc, le sniper a des dégâts avec la son shrapnel. C'est pas aussi bien qu'un... Il faut attendre le niveau 5, quoi. Niveau 3, pardon. Niveau 3, mais ça va. C'est pour ça qu'on le prend P4 plus que P5, parce que bon.
et son carry et a priori le PL. Donc il va souffrir un peu de cette phase de ligne. Hein. PL, il aime bien avoir un support agressif avec lui pour aller profiter de son passif. Mettre des dégâts au right click. Il va falloir jouer passif au début. Ils sont contre Beastmaster Rubik, qui n'est pas la ligne la plus aggro non plus. Préférerais presque le Nyx à jouer avec le PL en fait. C'est juste qu'ils aient rotate les postes sur les supports parce que, pour la phase de ligne seulement. Parce que je pense que le Nyx sera quand même mieux que le Sniper. Le Sniper il peut travailler avec le Timber parce que ouais. Timber il sert de frontline donc c'est plutôt plus facile. Je suis d'accord. Et puis il peut permettre d'embêter le Monkey King on va dire avec son choix. Alors que le Nyx c'est chaud quoi, il faut toucher les stuns et c'est pas facile. Allez, Shatter qui rejoint le Rubik. Et on est parti du coup. Dans cette deuxième game, on a gardé les mêmes sides. Là-bas, c'est Sniper qui va jouer en P5 avec le PL, ok. Avec le headdress, premier item, évidemment. Incroyable. Et ses trois charges de shrapnel, bien sûr. Allez, Kingsman qui est de retour en bas. Vous avez montré le First Blood la game d'avant. On va voir s'ils sont capables à nouveau. Ils ont des bons héros pour, avec notamment le Monkey King, qui ici, vous voulez transformer en courrier pour gagner un petit peu de move speed. Je me rappelle plus, il avait fait aussi des bots level 1 sur son X la game d'avant. Je ne sais pas. Parce que là il est parti bot level 1. Contre MK ça se comprend je pense. Yep. Le but c'est d'éviter qu'il vous charge complètement de son Jingu. Et puis il va peut-être essayer de détourner la vague de creep aussi. Parce que je vois pas comment ils peuvent jouer en 2v2 frontal. Ah oui, ok, ça expliquerait mieux les bots. Parce que tant que le Timber est pas level 3, c'est chaud. Hein. Ouais. Allez, le Rubik qui va révéler tout le monde. Il nous rate sur lui. On va contrôler le poste. On va se mettre en place. Adrien, il retourne au mid. Et où est notre Monkey King? Il va falloir traverser toute la map, mais c'est bon, il court vite. Bien plus vite que les autres héros à ce stade. Alors, il y a une envie d'aller derrière la tour de la part de Apoc, j'ai l'impression. Donc, un des moyens de casser l'équilibre de la ligne de vos adversaires, c'est de bodyblock la première vague, de manière à ce que le point de rencontre des creeps soit sous la tour. Ok, je sais pas ce qu'ils essaient de faire. Ils peuvent pas prendre l'aggro sur la première vague. Ils peuvent pas prendre l'aggro, ouais. Après, il veut punir le fait que ça soit sniper sur la ligne en support. Ah, mais attention, parce que du coup, là, ils vont arriver un petit peu à la bourre. Et il a mis quelques dégâts donc la ligne elle va. Ouais, mais elle va push dans l'autre sens, c'est même pas intéressant en fait. Allez, pendant ce temps-là, il y a un petit go en haut avec le Nyx qui s'est déjà chargé. On n'a pas essayé d'étendre la vague de rip de la part de Oid. C'est-à-dire que le début de partie va pas être facile pour le Team Verso. Et au mid, du coup, ce sera un match-up Dazzle contre Mars. Mars aura légèrement l'avantage en début de partie, et ensuite quand Dazzle aura ce level, on verra à quel point le poison peut sortir ce Mars. Alors si vous n'avez jamais vu les Dazzle Mines, vous allez voir que ça a une capacité de farm, s'il aura une bonne phase de mine, qui est vraiment, vraiment, vraiment impressionnante. Dazzle qui profite aussi du buff des Nécro-1, ça lui permet de farmer assez vite. Ah ouais, c'est évident. Et on loupe déjà le First Blood, parfait, sur le Nyx en haut. Et j'ai peur pour un tag sur cette ligne en haut. Les bots ont pas ouais, ils ont en train de jouer la ligne en frontale, ce qui est vraiment, vraiment pas facile. Au mid, on est déjà obligé de se salver de la part d'Adrina. Ils ont. Kingsmag, en bot lane, ils ont bloqué le petit pool, c'est bien. Ouais, ils bloquent manuellement le gros, j'ai l'impression. Yep. Allez, attention, mon petit shelter, il va être dans les shrapnel. On n'a pas longé les shrapnel, malheureusement. Quoi que se retourne, on est passé niveau 2 avant, hein, côté mort, hein. Bah avec les shrapnel, ça va être chaud, c'est bon, là, au bout. Ça passe. Bah, si on va fit trop les cochons, par contre, ça donne beaucoup d'expérience. C'est déjà le deuxième, hein. Pense, on a réussi à récupérer un chic en haut de la part du Nyx Assassin. C'est le silence, qui va réussir à reculer avec ses bots, qui n'est pas en danger. Mais il est bien zoné, premièrement. Il avait peut-être des intentions d'aller chercher la vague de creep et il a été bloqué. Bon, il a récupéré un chic au passage, donc. Ouais, et puis pas ça veut dire mal. Que pendant ce temps-là, son Timber est un peu tranquille. Timber pour l'instant à 0 lastide, donc. Qui joue safe, qui attend d'avoir ses levels, qui prend pas de risque. Le pool a été raté de la part du Radiant, mais ils ont réussi à quand même casser la. Ouais, semi-raté parce qu'ils ont cassé quand même le contrôle de ligne, donc ça c'est bien.
Arrive en speedrun, si on se fait deny les deux clip range, ce qui est l'essentiel de l'XP. Aïe, ouais, ça c'est pas ouf par contre. Ah, il travaille bien en tout cas, Martoni. Il a vidé sa mana pool ici pour zoner le mix. Ah bah, pour l'instant, le PL est free farm. On n'arrive pas à lui mettre la pression. Le sniper qui travaille à coup de shrapnel. Et lui en reste en plus, hein, c'est pas comme s'il avait tout lâché. Et à l'inverse, le Big Queen ne réussit pas vraiment à zoner qui que ce soit. Il a un point de headshot, donc il est relou. C'est marrant aussi le sniper P5 qui fonctionne, quoi. Allez, attention, Mars qui a commencé à prendre pas mal de dégâts face au Dazzle. Dazzle qui n'a plus de mana pour le moment. On va voir se ramener du sustain. Ça va être un souverain pour le moment. On est parti sur Apoc. Est-ce qu'on peut le finir avec la lance? Yes, ça passe. Ash qui récupère le kill avec son sniper. On va à nouveau farmer les cochons. Et il faut vraiment qu'ils arrivent à ne pas perdre tous ces cochons. Ah, il va le perdre. Ouais. C'est vraiment, vraiment en termes d'expérience, c'est beaucoup. J'ai pas les valeurs en tête, donc je peux vous dire. Mais c'est plus qu'un creep. Donc c'est beaucoup. Là, ça fait 3 qu'ils perdent. Ça fait que c'est plus ou moins. C'est comme s'ils avaient vu une vague de creep en plus. Sans compter les kills. En termes d'expérience. Ce qui est énorme. Pendant qu'on est en pause, je vais aller chercher sur l'info. Tiens, de savoir combien c'est. Alors même si on voit que ça, en bas que ça se passe bien pour un tag, en haut ça se passe très très bien pour Monkey King qui est actuellement à 17 last hit, 18 deny. Donc il a même plus de deny qu'il a de last hit. 60 d'expérience au level 1 à bord. Ouais. Donc c'est l'équivalent quasiment d'un creep range, non? Bah c'est à 54 un creep. Ouais, c'est un creep range quoi. Ouais, donc c'est énorme. Ouais. C'est vraiment, il faut pas les perdre. Donc là, ouais, si c'est 50, c'est 54 un creep range, je sais. Bah, je sais pas, c'est une idée, une chiffre qui vient en tête. Parce là, que dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils ont, eu une vague. On va dire qu'ils ont eu une vague de creep en plus, quoi. C'est l'équivalent d'avoir une vague de creep en plus. Et du coup, regardez, le PL va passer niveau 4 dans la game. Si on va regarder les solomites, par exemple, le Dazzle est niveau 4,5. Mars, non, c'est 69 un creep range. Ah, ok. Donc c'est l'équivalent d'un creep range. Donc c'est un peu moins une vague de creep en plus. Dès qu'il est level 2, c'est 70 le bord. Donc dès qu'il est level 2, c'est un creep range. Ouais. Okay. Pour l'instant, c'est compliqué pour nos deux offlaners. Alors, on va lancer. Ce qui est inquiétant, c'est que pour l'un comme pour l'autre, on n'a pas le sentiment que la situation va s'améliorer. Non. Parce qu'avec le PL maintenant au niveau 5, ça va être chaud. En haut, avec le Monkey King qui va avoir des points dans son saut, qui va pouvoir gap close, ça va être chaud. Est-ce qu'il peut tuer le Nyx là en haut? Ah bah, j'ai l'impression qu'il peut. Ouais. Allez, facile, solo kill. Allez, on voit au mid, les coups de poison commencent à faire très très mal au Mars. Ça va amener beaucoup de régène. Mars qui a passé 6, hein, donc il peut espérer peut-être tuer ce Dazzle. Qui évidemment pas de point de grève, hein, comme vous. Il paye quand même bien ce pick Grimstroke last pick là. Ouais, tout à fait. J'avoue que j'étais surpris de le voir en last pick, mais pour l'instant, ça travaille. Et même pas pour les raisons qu'on pensait, hein, puisque. Oui, c'est juste parce que. Oh, ils avaient laissé la première bounty. Ils vont l'avoir à temps. Bah, oui. Juste à temps, c'était chaud. Et avant, ça leur aurait ramené de plus de gold parce que à mesure qu'elle est. Mais maintenant, c'est plus qu'assez fixe en fonction des. C'est, je crois que c'était 1 gold par minute. Ouais, ça c'est ça. Fait 5 gold en plus. Bon, allez, on a peut-être quelque chose là de la part de Kingsman. On va essayer de récupérer H. C'est fait. Par contre, le PL UDR va essayer de se faire plaisir à récupérer les miettes. On commence par le Rubik, on enchaîne par le Boar et on essaye maintenant de partir sur le Beastmaster. On va pas le récupérer. Beastmaster qui a pris un point de H d'ailleurs, ce qui est assez rare. Je préfère prendre le Boar H généralement. Ouais, les haches sont magiques maintenant, est-ce qu'il y aurait une raison? Bah, je crois qu'ils ont aussi légèrement buff à quel point tes boards font des dégâts sur, sur les haches. D'accord. Mais c'est pas grand chose quoi. Le PL c'est un héros qui a pas mal d'armure donc si vous faites des dégâts magiques c'est mieux que. Ah, le truc c'est vrai, la vraie utilité des haches c'est que ça augmente les dégâts de tes unités. Ouais, ça pique de toi-même, et puis plus t'en mets plus ça fait. Alors, ça buff quoi. Je pense pas qu'en début de partie ils puissent vraiment de spam suffisamment pour que ça soit fort. Allons, c'est parti sur le beak, on ne pourra pas, on se retourne évidemment sur le cochon et on va de nouveau le récupérer.
Et il crush Necro, hein, là, le Beastmaster, même avant ses bots. Ah ouais. On est reparti. On a perdu du PL. Qui profite bien de tous ses cooldowns de Phantom Rush. Qui vous donne 33 d'agilité bonus. Allez, bon, ça, on va se charger de la part de Fléchy. Pousse okay. Pas le marceau, là, maintenant. Ouais, là, c'est dur. Ah si, mais moi, il est 6. Est-ce que quelqu'un peut venir l'aider? Peut-être le sniper? Peut-être... Bon, le Nyx, j'ai un peu plus de mal à voir comment est-ce qu'il peut l'aider. Mais sur une arène, peut-être avec les shrapnels, ça peut passer. Ash qui gagne le contrôle de la colline puisqu'il a centré avant son adversaire. Oh, c'est bien joué ça, ils ont chopé le Nyx. Super, ça va passer. Le petit point de tridence de Fléchy. Quoi, c'est la troisième mort du Nyx ou la deuxième? Je crois que c'est la troisième. C'est troisième mort, ouais. Et toujours grâce au très bon travail du Gunstruck. Allez, prendre Dados sera évidemment des nécros aussi, ça vous l'aurez deviné. Ouais. Attention, Shelter qui voulait des wards. Il aura la ward, mais il le paiera de cette vie. Et maintenant le PL est 6. Et là, le sniper va même partir, hein, le PL peut rester tout seul. Farmer les camps, farmer la ligne. Il va essayer de tuer le Beastmaster avant. Ouais, c'est ça, ils peuvent kill. Hein. T'as pas forcément. Enfin, c'est bien de pouvoir laisser ton carry tout seul, c'est cool, mais si tu peux tuer les gens aussi, ça donne envie. Ouais, c'est un peu ce qui décide si un support reste sur la ligne. Si on peut tuer, tu restes. Si on peut pas tuer, tu t'en vas pour laisser l'XP, quoi. Et là, actuellement, clairement, on peut tuer. Oh, Apoc, il se fait rush sur lui. Est-ce qu'il est mort? Eh ben, il est mort. Tout seul. This fight is over for you. Allez, on commence à bouger un petit peu de la part de Kingsman. On voit le Rubik, on voit le Grimmsroke qui ont envie de bouger. Alors que Mézial, lui, est en train de récupérer les clips le plus loin possible, essayer de se stacker les vagues. Pour moi, essayer de TP un moment. Il récupère son énorme vague sous la tour. C'est elle qui fait régner la terreur pour l'instant. Ils ont apparemment une solution d'aller mettre autre chose que contre lui. Je pense que le Beastmaster va partir de jungle. Ouais. Ouais, je pense qu'il doit partir jungle dès maintenant. Peut-être laisser le Rubik juste défendre. Ouais. Adrina a un DD, mais heureusement que la lance l'a repoussé parce que le Mars prenait très cher. Ouais. Ça qu'il faut pas oublier dans cette game, c'est que ok, ça se passe très bien pour le PL. Maintenant, sur le reste de la carte, c'est clairement différent. D'ailleurs, ce PL il est pas bien. On a loupé le coup de pinceau, malheureusement. Le silence qui est de retour, il va falloir le casser de la part de ce PL. C'est bon, on va pouvoir récupérer le saut. On a envie de se retourner. Ash il a envie de partir. Adrina qui arrive, Adrien qui se fait exploser dans les shrapnels. Il y a un DD, il est obligé de se grave. C'est chaud pour lui, il faut finir les îles PL. Il y a les creeps qui le tapent, c'est bon, il arrive à reculer. Le PL n'osera pas aller finir le kill sur Shadazzle. Alors c'est un kill d'un P5, mais t'as l'impression que c'est un kill de P1 tellement ils ont galéré à le faire. Allez, fléchis à gauche. Récupère les kills, il faut sauter, il a pas réussi. Crashka qui arrive à... Oh, il loupe la lance malheureusement. Il peut se retourner, mais il fléchit maintenant. Il met l'ulti pour le zoner. Il a un TP, il peut TP avec son Monkey King là. Ouais, bah, je pense qu'il sent pas un cri, il avait beaucoup de gens en bas. Il va pouvoir s'en sauter, c'est bon, il dodge la lance, c'est bien joué. L'arène. Wouh. Elle était en bordure, elle a cassé l'arme, ouais. Il attend de tomber. Ils ont tué le PL en bas, what? Et ils ont tué le PL en bas. Et le Nyx aussi, qui est mort mid. Et bah voilà, c'est bon, la game est tout de suite relancée maintenant de la barre de Kingsman. Ah bah ils ont deux cas d'avance même, donc voilà. Avec une grosse avance quand même, hein, qui est sur le Monkey King. Il faut le dire, mais je suis même étonné, le Beastmaster est pas si mal que ça finalement en termes de network, au moins. Ouais, parce qu'il vaut 6 maintenant, c'est lui qui a récupéré la streak peut-être. Yep, c'est possible. Non, c'est le Grimmsroke. Non, bah c'est juste qu'il était. Bon, il est mort, mais il a joué la ligne quand même. Donc, Ah, il a eu raison de pas la give up cette ligne, il est mort plusieurs fois, mais on voit que finalement pour lui c'était rentable. Il y a une invis omis sur le Rubik, ouais, bon, ça donnera pas grand chose. Quoique. Il est pas vu, ça. Il est pas encore niveau 6. Malgré les tomes. Dans le Ils ont. Tout le monde a eu un outpost. Non, il y a que le Dyer qui a eu un outpost en plus là-dessus. À la 10ème minute. Donc, après, les valeurs du premier outpost sont pas... quand même extrêmement faibles. On a combien d'XP? Il y a 2k XP, 2k gold. Ok. Mais bon, c'est toujours un petit avantage qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Le PL de passe sur un Yasha directement. Il est tellement bien qu'il ne se sent pas pressé de rusher sa diffusée de lane. Du côté du Dazzle, on a sorti les nécros. Ouais, le Beastmaster a terminé les siens aussi. Allez, attention sniper, le silence carry, on va chercher le stun. Et on le trouve de la part de Martoni. Ah, il a loupé la lance.
on a loupé la lance. Quelqu'un qui a défoncé ce Grimmsroke et qui va s'arrêter là. Attention parce que le roi est quand même disponible. Est-ce qu'on a vite contré de la part de Apoc? Pour l'instant on ne sait pas lequel est le vrai, on dit à part son mort. Donc c'est ce qu'il a de ses dégâts. On va reculer. En haut il y a la lance. Il s'est mis full HP. Fléchy qui a réussi à trouver le coup de bâton. Qui est en 1 contre 3. Il pourra presque se retourner. Il va respecter ses adversaires. Et reculer. Deuxième arène du coup complètement loupé. Il va y aller maintenant Fléchy. Le coup d'arme énorme au double Justin, c'est bien joué. Allez, il manque 3 auto-attaques, 2 auto-attaques. La carapace n'est pas disponible. C'est bon, ça passe. Mesiane. Oh, Mesiane qui a pu attirer. On n'a pas réussi à sauter de la part du Monkey King. Oh, c'est chaud. C'est chaud, il veut casser les arbres. Il est pas niveau 6, Mesiane. Le coup de bâton qui arrive. TP de la part du sniper. Mais c'est un sniper tout seul. Et surtout un sniper P5. Qui du coup ne fait pas peur. Et cette tour va tomber à nouveau. On est en train de très bien s'entraîner dans la game côté Kingsman. Faut que le PL farm, hein, parce qu'il va y avoir besoin de lui rapidement. Ouais, il va rester au Yasha simplement et puis il va prendre faire sa diffuse. Ouais. Moi ce qui m'inquiète surtout c'est ce Mars qui honnêtement est très bien dans la game en termes de farm, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant toutes ses rotations n'ont pas payé et c'est ça vraiment qui fait la différence en ce moment. C'est que les rotations du Dazzle, elles ont fonctionné. Le Monkey King, on le voit, a réussi à débloquer des kills, donc il snowball sur son avance. C'est pas le cas du Mars, c'est pas le cas du PL. Ah bah y'a un aspect skill shot sur le Mars, hein, que ça soit sa lance ou son arène, faut pas les louper. Allez, Monkey King. Alors, on va stun. Maintenant, ce qui a connecté mais qui n'aura pas fixé le Monkey King sur un arbre. On commence à sentir la pression qui se met en place. Hein. Yep. Ils peuvent aller prendre la T1, je pense, au mid là. Le PL est pas prêt, ils peuvent aller fight. Oui, ils font des items early, on a. Oh, ils ont vu le Nyx. Oh ouais, le sniping. Comment il hide? C'est Luke. C'est lui. C'est l'oiseau. J'arrive pas à vous le montrer. Mais il est là. Allez, double Necro, ça va push. Hein. Ah ouais, ça va être très vite avec les dozens. Le Mars qui TP, on va poser la. Il a obligé de cancel parce qu'il pose l'arène. Enfin, le. L'ulti Monkey King. Pas vraiment de traîner en place. Le PL est en bas. Mais le PL est en bas, il travaille bien. Ouais, à Poc, il est resté au. Faut des push, mais il faudrait pas mourir. Bah ouais, c'est ça, c'est quand même dangereux. On sent la T2 attaquer et il est parti de la part du MK, il est dans la base. Ouh, le stun qui arrive de la part de Nyx Assassin. Allez, il faut pas aller trop loin. On a réussi à silence le Mars, il faut casser le fantôme. Il a réussi à le casser, mais il est stun à la sortie. La reine qui n'est pas posée. Si c'est bon, elle est lâchée, on va tuer le Monkey King. Et j'ai l'impression que Krafka va s'en sortir alors que le Dazzle lui est mort. Et le PL est là pour récupérer absolument tout le monde. Attention quand même à ce PL qui a pris de gros dégâts. Ah, ils vont pas récupérer tout le monde, j'ai l'impression. Allez, le PL, il faut réussir à récupérer le Phantom Rush. Juste la vision sur le Rubik devrait être suffisante. Ça, c'était un moment de loupé. Attention, Oid qui a mis un stun, mais qui a pris des gros dégâts à la sortie. Le PL a pris cher, hein. Ouais, le BM arrive. Est-ce qu'on peut récupérer l'Aurore qui arrive? On sort les nécros, ça passe. Allez, il faut récupérer ce sniper aussi, j'ai l'impression, hein, qui est très très low, qui touche un headshot. Et on touche le coup de pinceau, super, de la part de Martoni. Et on vient salvage la situation. Ouais, ils tuent le PL, même si leur Monkey King est mort, c'est pas très grave. Ils ont tué le rogue qu'il fallait tuer en face. Moi, ils ont divé un peu loin quand même au niveau du mid. Ah, c'est clair. Besoin d'aller à la base. Ils ont encaissé une attaque pour finir Sonix, mais ça a tout changé. Ouais, même le Mars, il était à une attaque aussi, mais. Est-ce que ça a rééquilibré l'XP tout seul? Je vais regarder. Ah, pas vraiment. Un petit peu ouais. Quand même. Hein. Ça a quand même bien rééquilibré la courbe. Au moins la stabiliser. Allez, Rubik qui est en position de défense de tour en haut. Pendant ça, là, on prend la tour en bas. Sniper, il voulait défendre cette tour à tout prix. Allez, il faut attaquer avec les unités. Pas besoin. Le greedy de tenter cette défense de tour, à mon avis. Ah, il retarde un petit peu, mine de rien. Il donne pas beaucoup d'argent. Ils sont pas en place pour push top. C'est vrai qu'ils trade pas. Mais on s'approche par contre du point important. La diffusal bait du PL est là dans quelques instants. Rubik en embuscade. Il attend peut-être qu'un de ses coéquipiers vienne l'aider. Pour l'instant, on n'est pas trop intéressé. Forcément, quelqu'un qui est au niveau des anciens pourrait venir le rejoindre. Qui va faire un maelstorm pour apporter les dégâts hauts nécessaires face au PL. Ah, une dagger sur le spectre, j'aime beaucoup. Il a fini là? Radiant structures are fortified. Dazzle lui va avoir le mecha. Je crois pas que ce soit les griffes complétées qu'il a. Oui, ça m'étonne. C'est le mecha. Allez, la tour est tombée.
J'ai toujours pas rejoint notre ami Shelter, qui est toujours en embuscade. Il travaille au dépouche de la télé. Un peu plus simple à défendre finalement. Mais bon, on va la laisser tomber passivement hein, de la part de Untag, on veut pas fight pour l'instant. Oh, ils ont vu le sniper qui était là. Est-ce qu'on veut lui mettre l'euro? On veut lui mettre l'euro. Allez, on a commis pour derrière la tour, ça commence à TP avec Mars effectivement. Buyback de la part du sniper, l'euro a déjà été utilisé, c'est un bon fight à prendre ici avec une très belle arène qui arrive. Le silence légèrement tard de la part des Gunstroke, mais ça va quand même empêcher de mettre la lance. On a tous retiré le silence, c'est bon. Et on va récupérer des gros ulti de la part du Monkey King sur le dessus. Le King est très très low, par contre il faut réussir à trouver une patrouille, il a pas de mana malheureusement avec la diffusale du PL. Le Monkey King qui va tomber, il avait levé les bras. Il avait levé les bras, mais il ne pourra pas finir le kill. Et c'est du coup le Phantom Lancer qui vient clean. C'est une fight 4 pour 1 là-dessus. Alors certes, le sniper est buyback en début de fight, mais c'est largement rentable pour eux. Ouais, c'était le grid d'aller chercher derrière la T2. Finalement, ils prennent pas la tour, ils prennent une mauvaise fight. Bon, malheureusement, Monkey King, en plus, il s'est fait casser son arbre par un... Ah. Par la scie du... Timbersaw. Donc, il a passé le début de la fight 4 secondes stun, quoi. Donc, Ah, c'est embêtant. Parce qu'en plus il ne manquait rien, je sais pas si lui il n'y a pas de mana, non, burn mana par le PL. Et il doit avoir un coup de mana boots de la part du Dazzle vers la fin du fight qui lui a donné la mana pour un coup de bâton qu'il aurait mis full HP, full mana parce que... Enfin full HP plutôt. Il était en Jingo. Exactement, il avait son passif donc il aurait l'accès sur toutes les îles du PL, il se sera mis full HP. Et ça s'est joué à un poil de fesse. En plus il a un Vampire Fangs donc ouais. Allez, on est de retour du coup maintenant à seulement 1000 gold de différence. Vous voyez qu'on a bien rétabli l'équilibre de la part d'un tag, même en termes d'expérience. Et la stratégie un peu all-in de Kingsman qui commence à montrer de l'essoufflement. On y retourne en smoke à 3, pas perdre le rythme. Elle marche à pick-off. Ouais, alors attends, on n'est pas parti du même côté, on ne le voit pas pour l'instant ce Mars. On va à nouveau partir sur le sniper. Le sniper. D'accord. Ah, il va mourir. On a volé le shrapnel de la part du... Oh, le Mars. Le Mars qui est par derrière, qui a nouvelé la run sur 3 personnes. Avec l'ulti-crimson qui est pas mal. Le Beastmaster qui est là en double l'euro. Ce qui va permettre de gagner un petit peu de temps. Mais le PL est toujours pas mal pour l'instant dans ce fight. Il va réussir à se retourner avec Kratka qui lâche un gros coup de bouclier. Apoc sur tout seul. Et bah si, en fait, ils vont réussir à retourner le fight avec les dégâts des nécros. J'ai pas vu comment le PL était mort. Bah il est mort dans les AOE. Ah il a pris une bombe à 300 là ouais, sur la fin. C'est oh. Et c'est les dégâts, j'ai l'impression que c'est le Rubik qui a fait essentiellement les dégâts avec les shrapnel. Ouais puis ils ont fait ça, les shrapnel. Si il a fait 3000 de dégâts le Rubik hein. Ouais les shrapnel du Rubik étaient. Le sniper support qui se retourne contre lui quoi. En plus il y avait des shrapnel du sniper donc tu sais pas lesquels sont à toi quoi. Allez ça va tomber vite là avec les nécros de sortie. On a 3 points sur l'Inner Beast et le Beastmaster. Peut-être qu'il faut partir à T3, c'est greedy là quand même de gratter. 2 secondes, ils peuvent prendre la range peut-être. Non, je pense pas. Micro les nécros. Non, tant pis. Ah, il en parlera. Ouais, un seul. 50 balles. On lui pardonne. Oh, je suis étonné, Adrenal ne veut pas finir. Allez, les griffes ou il l'a fini les griffes. Non, j'ai besoin qu'il veut faire BKB avant griffes. Ce qui est pas une mauvaise idée. Alors les griffes dans cette game, c'est pour donner de l'armure et de la régène en fin de... En fin de teamfight, là ça aurait peut-être été utile en fait. Ouais, je sais pas. C'est dur à dire parce que c'est très cher les griffes. C'est très cher, mais c'est très très fort. Sur Dazzle, il faut imaginer que vous prenez accès, quand vous spammez vos spells, donc ça réduit votre cooldown. Vous avez les griffes toutes les 20 secondes, juste comme ça. Vous pouvez vraiment le mettre tout le temps, quoi. Ce qui est absolument absurde. Alors, on prépare BKB aussi sur le Monkey King. Le Nyx en embuscade autour du mid. Le stun est arrivé, on essaye de bait un petit peu, le Dazzle est présent derrière lui, la carapace qui va stun ce Dazzle. On n'a pas réussi à mettre le. Si on a réussi à mettre le poison sur Oid. Oid, s'il prend l'auto-attaque, il est probablement mort. Le poison c'est terminé. Non, c'est bon, on récupère le kill. On essaie de protéger la zone avec les shrapnel, mais c'est pas suffisant pour le moment. J'allais dire, il faut un des nécros qui passe 3 parce qu'il y a un invis, ce sera bien. Bah oui, Apoc, il va monter ses nécros. Il a déjà nécro 2, il va pas tarder à avoir nécro 3. J'avoue, j'aurais bien aimé qu'il nous fasse le Vlad pour son équipe. Parce que là, ça buff tellement tout le monde. C'est vrai, il y a ça aussi. Mais... Allez, ils ont trouvé le kill. Ouais, c'est le kill le plus important ici. Est-ce qu'on arrive à le terminer? On arrive sans problème à le terminer. Allez, ça taunte évidemment via la chat wheel. Cette bonne guerre.
Et là, on va essayer d'aller prendre la T2 en bas. Il l'avait entamé tout à l'heure. Elle va tomber vite cette tour. T'amplifies les dégâts de l'afterburn avec ton BM quand tu mets des haches. Mais je crois que c'est uniquement les attaques. Amplify subsequent damage from Beastmaster and his units. C'est des dégâts du Beastmaster là. Les dégâts. Parce que sur la base ça marche. Le Napa. Ouais, tout à fait, c'est complètement broken. Ouais. C'est une bonne question. Non, non, t'as... je pense que ça marche. Effectivement. Mais c'est Arène, attends, c'est Arène utilisé là. Ouais, attention, attention. Ah non, j'ai de lâcher la glyphe très tôt dans les shrapnel. C'est violent, la glyphe shrapnel. Il manque juste un petit Underlord. Ah, le PL a envie d'y aller. Il a envie de lancer la chasse, il va récupérer un petit nécro pour commencer. Le beast oh, il a failli casser l'arbre de fléchi. Allez, il va falloir lâcher le petit départ du MK, ça va partir. Le PL qui est obligé de reculer, on a trouvé le vrai, j'ai l'impression. Il a été pillé environ 42 fois. Le coup de HK est parfait. Multiclaim se prenait du temps, on a mis la grève sur Apoc, mais Apoc qui va mourir quand même. Le Monkey King lui par contre s'en sort. Il arrive à récupérer pour l'instant double kill avec H qui va mourir. Et où est le PL pendant ce temps-là? Bah, le PL est pas bien du tout. On va courir pour Surveysian pour récupérer l'équipe facile. Non, on décide de se retourner. Adrina, le coup de bâton et le PL qui tombe. Oh, c'est bien joué de la part d'Apoc. Il a eu le temps de roar juste avant de mourir, ce qui fait qu'il a. Il a contrôlé le Timber Saw, c'est bien, ça a évité qu'il fasse ce qu'il veuille dans la fight. Ouais, c'est le MK ici hein, qui a fait le gros du travail avec 6000 de dégâts. Qui est tombé l'eau lui aussi dans le fight, mais qui a réussi à se lifesteal. Ouais, et j'ai l'impression que le Vampire Fang dont tu nous parlais, il fait un impact de fou. Ah, non, mais c'est de fou, ouais. Parce que d'une part, il y a le coup de bâton, mais du coup, ça lui permet aussi de sustain sur le reste. Et en plus, il y a le spell lifesteal sur ses procs de Maelstrom. C'est ça. Il est vraiment très très tanky. Allez, ils veulent prendre un side, ils veulent prendre quelque chose. Ouais, pas vraiment. Ils vont se concentrer pour l'instant d'aller prendre un peu de vision ici sur la gauche de la carte. Peut-être préparer Roshan. Après, ils ont pas de Vlad, y a pas de médaillon sur les supports. Mais ils font quand même assez vite avec le leur Abyss, mais les nécros. Mais il faudra encore des pick-off avant d'aller s'attaquer à Roche, je pense. On va quand même commencer à warder la zone, ouais. Et bah finalement, Ned Dazzle, il veut faire un rush Shiva's Guard. Bah c'est bien contre PL. Hein. Ah bah pour maner le PL au maximum. Ouais. Ça veut dire qu'il considère qu'il n'a pas peur de mourir dans un sens. Parce qu'il n'a pas peur du burst magique, il n'a pas peur de l'arène. Non, ce qui lui fait peur, c'est la réplique du PL. Il veut de l'armure et d'une gestion du PL en AOE, donc ok, c'est. C'est un héros intel, oui, Dazzle, donc ça augmente ses dégâts aussi, donc pourquoi ouais. pas. Hein. Allez, smoke. On va bait derrière le Monkey King. Ouais, on a trouvé le Nyx, on a peut-être trouvé le Nyx. On a trouvé le Nyx et on a levé les bras. Alors la carapace vient de gagner un peu de temps. Par contre, le sniper lui s'est fait à surprendre par Fléchi qui va le récupérer. L'arène est positionnée sur le dessus. Il y a un roar qui a été utilisé. C'est sur le Mars. Le Mars est tout seul. C'est un Mars tout seul qui va tomber. Il essaie d'aller chercher. Wow. Le coup de bâton, mon dieu. Allez, on veut prendre la T2. C'est bien, ils sont pas pressés Kingsman, ils sont sereins. Ils sentent que cette game est en train de partir en leur faveur. Est-ce qu'ils montent la grande ou est-ce qu'ils vont un rush là? Je pense que tu peux te taper un peu. Ouais. J'aurais presque envie qu'ils aillent au mid en fait, mais bon, ils vont prendre une autre T3 en fait. Ah, c'est pas vite, hein, y'a pas la glyphe. Allez, fais chier, il est parti sur Méziane. Le coup de bâton qui va passer. Méziane qui est en train d'exploser. On va lui blink dessus de la part de Apoc et aller chercher des right clicks. Peut-être on attend le retour du Mars vraiment pour lâcher les buybacks. Mars qui est de retour dans 5 secondes. Mais là, je pense qu'il prend la tour qui part en fait. Voilà, ils ont c'est parfait pour Kingsman. Attention, on va faire des nécros par contre. Parce que là, ils sont maxés. Là, c'est 150 gold par nécro. Ouais. Là, ça commence à être beaucoup. Ok, il en perdra un seul. Ça smoke derrière, le Rubik va se faire peut-être prendre, il recule. Ils s'y attendent pas, ils s'y attendent pas du tout, Kingsman. Ouais. Ah, il voit Adrina. Oh non, c'est loupé de la main de Rashka. Oh, c'est bien joué, Fléchi était prêt lui, par contre, à reprendre le fight avec Timon Gaming qui arrive. L'arène qui, du coup, ne sert à rien. Et un tac obligé de retourner Pono dans sa base. Allez. Et ça va concéder aux chances, hein. Ouais, ils ont pas de BKB, donc faut aller dans Rush, ils peuvent pas fight. Là. Le Monkey King a mis ses cooldowns. Mid, hein. C'est mid? Ouais. Allez, on veut du sang, Fléchi. Il veut y aller. Je sais pas, hein, on est monté sans le BKB et l'ulti du Monkey King. Moi, j'aurais préféré qu'il fasse rush, mais bon, ils veulent forcer. Allez, c'est pas la range, c'est vrai.
Et là, les shrapnel du sniper qui sont encaissés par le mecha. Le side qui tombe. Kingsman qui recule. Et ils peuvent toujours faire rush, les anciens. Oui, oui, ils peuvent toujours faire rush. Il n'y a pas d'arène Mars, donc. On va essayer d'aller défendre. Il faut se dépêche, ok. Ça apporte un peu le rush à cette décision. Ouais, mais j'ai envie de te dire, ils sont pas pressés. Hein. Mm-hmm. Moi, je les sens, je les trouve d'une sérénité rassurante. J'aime bien les équipes qui ne se pressent pas pour gagner. Ça permet de voir les spells des héros qui montent en niveau, c'est sympa. Non mais, enfin, autant dans une game pro, tu pourrais les critiquer, parce que on serait sur des fenêtres qui sont très courtes et voilà. Là, on est sur une équipe qui capitalise sur son avantage et qui est serein, quoi. Donc, il a basher quasiment. Hein. Moi, je voudrais pas aller en late game contre ce PL, mais bon. C'est vrai. Mais je pense qu'ils ont encore une bonne dizaine de minutes, tu vois, avant que ce soit un problème. Il a acheté Grisadrena maintenant, donc il a. Je ferai pas BKB pour l'instant. Parce que là, je veux dire, ils ont tellement de tankiness avec le. Avec le Dazzle. On a un X ? Non, ils ont X sur le. Non, pas encore. Ouais, ça serait. S'il y avait des. Oui, sur Grimstroke, ouais. Bah, t'as vu, il a acheté le Mystic Serum, mais il a pas fini le. Pas fini le X, ils veulent la Glimmer Cap. Le X sur. Qui est monstrueux, sur. Un Crimson Guard ? Ah non mais c'est, alors il y a des gens qu'on ne voit pas dans cette partie, on en parle pas beaucoup parce que bah, on les voit pas beaucoup, mais on a un Timberso qui est absent et qui est finalement devenu maintenant un bot à aura. Il sait que la capacité du héros un peu évasif, un peu à speed push n'existe plus dans cette game, qu'il a fait on va dire le choix du pauvre. Et l'autre que on n'a pas vu de la game, c'est le Nyx Assassin qui est vraiment en train de passer la pire game de sa vie. Je pense pas quand même dans cette game qu'au lieu de faire Crimson Guard tu fais plutôt des Greaves ou même une Lotus tout de suite. Parce que les Crimson Guard, bah, s'il avait le PL en face, j'aurais dit ok, logique, mais là. Bah, ça protège des nécros et des bords. Un peu, ouais. Alors, je vais pas te dire que c'est bien. C'est hein, les, je pense ils sont explosés par le Monkey King, quoi. Donc, la Crimson Guard, ils s'englandent, quoi. Je suis d'accord et je suis pas d'accord. Dans le sens où Greaves est quand même très très cher, je pense que Crimson apporte plus que Greaves. Alors, je sais pas quelle est la différence de prix entre les deux. C'est 3008. Contre 4008 quand même, donc il y a 1000 gold de différence. Donc, je pense qu'à prix égal, Crimson est plus fort. Ouais, mais là, il y a peut-être besoin d'un dispel avant, alors dans ces cas-là, parce que la Lotus. Ouais, mais qu'est-ce qu'il. Est-ce que c'est vraiment des. Enfin, qu'est-ce que lui peut se dispel avec une Lotus dans cette game? Ouais, pas grand-chose en fait, t'as raison. Enfin, il peut le poison d'Azul, et ça enlève pas le silence Grimstroke, je crois. Après, est-ce que ça aurait pu être un Vlad et autre chose? Est-ce que c'est discutable? Je pense très honnêtement qu'il n'y a pas de bonne solution pour lui. Hein. Il a passé une phase de line de merde. Il est dans une game où son équipe se fait rouler, donc il n'a pas cette capacité à comeback. Peut-être qu'il aurait pu partir sur un Hulls et split push en mode je me suicide pour remonter les lignes et gagner du temps pour mon équipe, je sais pas. Je sais pas trop ce que j'aurais fait à sa place, je t'avoue. Bon, il a choisi Crimson. C'est dans tous les cas un choix difficile. On va voir si ça paye. Ça sert un petit peu, je pense. Je pense que le nouveau Crimson est peut-être mieux que l'ancien quand même. T'as plus d'armure, non, sur le. Ouais, t'as 6 d'armure, si ça change pas grand-chose. C'est pas plus que de la cavant, me semble. 6, c'était ce qu'il y avait. Et le damage block, c'est 60, ouais. On va voir en tout cas si ça sert à quelque chose ou pas. On attend la BKB du Mars aussi, qui se sent seul à chaque fois dans ses initiations. Je pense que tu mises sur un truc là, c'est qu'il y a un défaut de coordination dans cette game pour un tag. Le Mars il engage et à chaque fois il n'y a personne. Quoi. Alors que les arènes soient bonnes ou pas, c'est discutable, mais enfin, s'il a personne, soit faut pas qu'il engage ou faut que sa team joue avec lui. Mais bon, après il y a une. Ah, le problème, c'est qu'il joue à 3, hein, honnêtement. Ouais, il coupe la fight en 2, en plus, Kingsman. Il se réveille vraiment très bien. C'est le Monkey King fait un peu. C'est d'une part, les mecs sont hyper tanky. D'autre part, ils ont énormément mobilité avec le Monkey King et le Beastmaster. Et en plus, tu as deux personnes qui ne peuvent pas jouer. Genre là, jouer la game pour le Nyx à partir de maintenant, tu mets le meilleur joueur du monde sur Nyx. Avec le retard qu'il a dans cette game contre un Monkey King qui le trichote, c'est impossible de faire une différence avec ce héros maintenant. Et pour le Timberso, on va pas dire que c'est pareil, parce qu'il a quand même un peu plus de network, c'est un peu plus d'impact, mais c'est vraiment pas facile à jouer. Mais bon, il y a la gas sniper qui arrive dans 1000 gold, ça va changer la game. C'est vrai. Mais en vrai, on verra, je pense, les dégâts en fin de partie. Mais je pense que le sniper a fait beaucoup de dégâts, avec ses shrapnel, parce que les gens sont toujours en permanence dedans. Mais bon, c'est il a un repair kit aussi, ce sniper. Ça peut être important. Ouais.
Ils ont beaucoup d'attack speed avec les nécros plus le BM, mais ils ont... Ouais, les dégâts bâtiments, c'est surtout le right click du Monkey King, quoi. Ah, et puis je pense, si t'arrives à mettre le Reaper Kit pendant que les mecs sont pris dans les shrapnel avec le multishot, c'est quand même vraiment pas mal. Ah bah, le Reaper Kit ne multishot plus. Ah merde! Il faut mettre la glyph, ça ne multishot plus, c'était l'un des gros nerfs. T'es obligé de faire ça, quoi. Ah ouais, ouais. T'es obligé de glyph, ouais, c'est chiant. Moi j'aurais préféré qu'ils enlèvent une charge Reaper Kit et qu'ils laissent le multishot, mais bon. Ah, le multishot était tellement débile, putain. Mm. Bon, ça dépouche en fait. Dota Plus nous dit 96%. Quels sont les 4%? Je pense qu'il y a bien 2% et demi, c'est le PL. Il y a. 1% c'est Kingsman qui décide de monter sans faire le rush à un moment peut-être. Ah ouais, oui c'est vrai, tout à fait. T'as bien raison. Un petit empalage. Peut-être des lance-back de la part du Mars, quand sur des montées de high ground, t'arrives à mettre un mec en position avec une lance. Ouais, même une arène décisive, ça peut aussi. Allez, la smoke. Monkey King en première ligne. Méziane pour l'instant sans coup venir et recule. Et ça va arriver au mid. On a un Nyx en invis, on l'a pas vu j'ai l'impression. Par contre la smoke a été révélée sur Fléchi, donc il sait que le Nyx est dans le coin. On l'a chopé. Oui. Je vais de la part de Shelters. Il arrive à remonter dans la base par contre. Et sinon ça arrivera trop tard. Il va falloir récupérer les creeps du coup de la part de Kingsman. Le Nyx va côté la vague aussi. Ah c'est bien la glyph. Ça. Et ça va aller. C'est bon, ils ont deux clips. Ils vont commencer à quoi après le Nyx? C'est bien là ce qu'ils font. Un tag, gagne du temps. Le sniper a remonté la ligne bot lui. Ouais, du coup ça va être rush. Il faut aller rush là, ouais. Je pense qu'il faut pas hésiter. Il va être safe ce rush. Ça va être un rush où on reste bien full HP avec le Dazzle. Ils vont check avec des îles UPL, mais bon. Ils vont voir qu'il est déjà. Bas PV. C'est fini, je pense. Ouais. Allez, Aegis Monkey King. Lui, il a son permis de dive. Tiens, crack Ico, tu peux donner ça au Timbersaw. Ça, c'est fort parce qu'on a vu que. Les teamfights pouvaient jouer à pas grand chose, notamment sur à quel point le Monkey King tue les gens sur ce coup de bâton. Donc avoir de l'armure supplémentaire, ça peut faire une grosse différence. Sniper lui en mode speed push, il a bien raison, il a envie de forcer ses adversaires à revenir défendre. Et surtout il a fini son Aghanim. Aghanim qui lui permet du coup de stun sur l'ulti, non? De stun sur l'ulti, c'est ça. Avec un délai de casse qui est très très court. Vous allez le voir dans quelques instants. Avec la montée, on va essayer de couper la vague de la part du Mars. C'est bon, il l'a eu. Ah, c'est qu'il y a des creeps top. Ah, il y a pas de creeps top, ça chez lui. Non, c'est... Et ça y est, ils ont mis le Reaper Kit plus la glyph. Je sais pas combien de temps ils ont là. Normalement, c'est 15 secondes après qu'un creep soit mort. Dans la haut de. Qui désactive. Ouais, c'est ça bon, y est. Ils ont... Super. Joli travail. Regardez, le Mars est devant la base. Le PL est dans la base. Il faut reculer là. Il faut reculer côté Kizuman. On s'est fait un peu fait jambon. Il y a la chasse qui est lancée derrière. Et pas vraiment de chasse qui est lancée. Ouais, par contre, tout le monde s'est bien positionné, donc même qu'ils aient TP, il y aura pas de piste de monde des 6 carreaux. Faut juste qu'ils remontent la link bot puis qu'ils aillent push en fait, je pense. Ah, Dazzle qui trouve lui aussi le. Le côte, ouais. Ça, c'est fort sur un support. Des spider legs. C'est le Nyx qui les porte, non c'est le Mars qui les porte chez un tag. Oh, BKB pour Apoc avec son Beastmaster. Bah, Kingsman a l'air de vouloir attendre ses BKB pour finir la game de manière sereine. Ça va permettre d'ignorer les dégâts du Sniper, ignorer les dégâts du Timbersaw, certains dégâts du Mars, naviguer dans la l'arène. Sniper qui stun, il passe pas over BKB, ouais ok, il passe pas donc. Il a resté combien son cooldown actuellement? C'est 11 secondes, donc il en a 2 par fight on va dire. Et ça va passer à 7.5 quand il sera 18. Ouais. Voilà, ça c'est fort, quand c'est 18 c'est fort. Est-ce que vous êtes stun? C'est quasiment stun 2 secondes on va dire. Vous êtes stun 2 secondes toutes les 7 secondes.
Ouais, puis ça permet de setup les fights aussi. On peut remettre des contrôles par-dessus, tout ça. Allez, on arrive en bas. La glyphe, pas disponible. Les shrapnels, eux, sont déjà présents, évidemment. Et on est niveau 15 aussi de la part du sniper. C'est-à-dire qu'il a le shrapnel snow. Il TP tout ça, hein, en DP, il a pas essayé de prendre la T3. Allez, ça va être la défense. On a mis mine de rien le Crimson Guard sur les bâtiments, c'est intéressant. Qui a déjà pris un petit peu de dégâts, donc le son de la barre des missiles assassins. On est parti de la barre de Thrashkai, trop vite, très très belle arène, notamment sur le Dazzle qui est en train de mourir. Dazzle est mort, Dazzle est mort, 80 secondes, il va prendre le fight sans lui. Par contre, il y a un double roar derrière, le mec avec sera le payé avec le Timber Soul qui va tomber. Il va mettre de la barre de Nyx, le PL est pas bien, le PL est dans l'arène, le PL va réussir à Manta, le PL peut se donner une seconde, le PL est mort, le PL buyback par contre, avec le Nyx assassin qui est de retour à son tour. On a perdu le sustain par contre, hein. Attention, fléchis. Très bien joué, on va le récupérer et au moins lui faire tomber l'Aegis de l'Immortel. Du coup, le PL a un petit peu de temps derrière pour aller finir le Rubik. Monkey King maintenant, seul contre 3. Il récupère un premier qui retourne maintenant sur le PL. Le PL qui bâche, évidemment, avec le stun du Nyx-Assassin qui arrive. Le stun du sniper et le Beastmaster qui a Blinkin qui va mourir à son tour. Marteau qui tente le TP. Pourquoi le Dazzle il bat pas sur sa mort et il TP à... ils ont pris la outpost, il aurait été là, hein. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il c'était... C'est lui qui a le sustain, il revient, il termine la game, hein. Je pense qu'il finissait la game effectivement avec lui. Après c'est un choix d'équipe aussi, hein, s'il ne revient pas. C'est un peu greedy de la part des autres de rester, ils se sont sentis plus forts qu'ils ne l'étaient. Ou peut-être qu'ils ont sous-estimé l'impact du Dazzle. Ouais, puis je pense que c'est surtout sur les deux kills au départ, ils croient que c'est bon. On a plus le Dazzle mais on a fait deux kills, le problème c'est qu'il y a des buybacks. Exactement. J'ai loupé le recap malheureusement. L'important c'est quand même buyback PL utilisé. Il peut peut-être garder sur les graphes. Ouais, ça remonte un peu en XP. Ils ont repris 4K XP je pense. Ouais. Et en gold ça doit donner. Ouais, on est 5K gold. L'important c'est le buyback PL. C'est buyback PL, c'est une fenêtre qui est ouverte là. Si on me retue dans les 7 prochaines minutes, on a gagné la partie. Par contre, c'est un PL qui a aussi gagné beaucoup d'argent. Oui, il y a quasiment Tarasque. Il sera plus dur à tuer la prochaine fois. Et surtout qu'il s'approche du 25 aussi, hein, qui est un level très important pour ce héros. Avec deux talents très forts. Moi j'aime bien le talent de crit, mais bon. Bah, je trouve que les deux ont un peu leur utilité, tu vois. Il y a des games à crit, il y a des games à. Bah dans cette game là. Dans cette game, je sais pas ce qu'il faut prendre. En vrai, le crit est bien parce qu'il permet de sortir le Dazzle plus vite. Bah pour moi, je pense que tu crit là, ouais. Qu'avant. Tu prenais une décision, c'était toute la game. Maintenant, tu sais que tu vas avoir l'autre 5 levels après. Quoi. Bon, c'est très long, mais moi, c'est pas. Parce que niveau 30, vous débloquez tous vos talents. Tous les talents. Le Dazzle qui va terminer son BKB peut-être avant de remonter la prochaine fois. Ça sera pas la même. Le marche. Je crois qu'ils y retournent direct là. Hein. Non, ils y retournent là, ok. Ah, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression. Pourtant, ils ont beaucoup d'items à terminer. Il y a la cuirasse du Monkey King. Il va la force buy, j'ai l'impression. Et la BKB est prête aussi, elle arrive sur le Dazzle, ouais. Allez, on essaie de monter un petit peu, peut-être profiter du fait qu'on ne soit pas en place de la part de... Un tag est pas en place, ouais. Les shrapnels qui travaillent énormément, hein. Avec le slow, ouais, double string mix, dodge le coup de tronçonneuse. On va aller chercher les bounties peut-être de la part de... On a perdu. Oh, y'a un roll, on a trouvé le PL. Le PL qui n'a pas de buyback, j'aurai pas, il faut venir l'aider. Le lift qui arrive, qui est doublé. Le très bel ulti de la part du Monking. On sait où est le PL, il ne peut pas sauter pendant ça. La reine a gagné quand même beaucoup de temps. Le PL, il est vivant avec 400 HP sur le dessous. Thrashkai est obligé de reculer, son arène est terminée. Et il se fait massacrer actuellement. Il avait réussi à récupérer le Deathstroke, mais qui avait déjà lâché son ulti. Allez, il faut le PL qui est dans le tas, avec l'ulti de la part du sniper. Prenez du temps, la greffe qui est là pour sauver Shelter et on sustain la mort. Et le PL va mourir, c'est un dieback. 120 secondes sans le Phantom Lancer. Ash va mourir, il ne reste plus que Mesian qui n'a plus que ses yeux pour pleurer et voir sa base se faire terminer par Kingsman. Allez, ils nous ont fait peur, mais ils ont fini proprement cette game. Belle gestion de leur avantage. On a bien fait de dire qu'ils pouvaient le faire en fait dans la deuxième game. Il fallait pas rester sur le premier échec et bah, c'était à leur portée. Ils l'ont bien montré, un meilleur draft de toute façon, donc ça s'est très bien passé. Yes. Ils nous ont fait peur sur la phase de ligne quand même avec ce PL qui a pris une avance énorme dès le début de partie, mais ils ont su le contrer. Et assez tôt dans la partie, j'étais surpris de la capacité à le tuer aussitôt. Je sais pas de qui l'idée vient du Grimstroke Last Pick, mais c'était génial, hein. Que ça soit en ligne ou après pour tuer le PL, c'était super. Yes. Yes, c'était un excellent choix.
Et du coup, on en parlait un peu en ouverture. Deux équipes, deux milieux de tableau, deux équipes d'un niveau à peu près similaire, du moins c'est ce qu'on s'attendait. Et bah, deux équipes qui partiront sur un partout. Finalement, un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes. Peut-être un peu plus Kingsman qui a remporté sa première partie. Mais on est pour l'instant toujours sur deux équipes qui vont jouer le milieu de tableau et deux équipes qui vont devoir s'accrocher pour essayer de décrocher les playoffs. Est-ce qu'il y a une des deux équipes qui t'a plus marqué, plus impressionné, laquelle tu t'attends à avoir du plaisir à suivre sur la suite de la saison? Ouais, je suis pas très objectif, mais j'aime bien Kingsman, donc je vais continuer de les suivre. Ils jouent bien, ils montrent le meilleur de leur niveau de jeu, donc j'aime bien. Puis ils font des drafts. Ils sont sympas leurs drafts. Hein. Ouais, leurs drafts sont bien. Il y a de l'idée en tout cas.